Allez, salut à tous les amis, c'est Low to Play. J'espère que vous allez bien, moi ça va super super bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur SimCity. Oh yeah, je vais un peu de régler le son là sur mon préampli. Désolé si ça vous a fait bizarre dans les oreilles. Mais sans faire exprès, je l'ai touché. Alors déjà, deux informations. Alors la première, c'est qu'hier, en m'amusant entre guillemets, en faisant de la musique, voilà, j'utilisais mon micro. Et le pied, ben en fait, voilà, bon, c'est pas un pied très haut de gamme, mon pied de micro, hein, bien entendu, je parle. Il s'est pété, hein, tout simplement, il y a du plastique, s'est fendu au niveau de la vis de serrage pour tenir le micro, et comme mon micro, enfin comme ce type de micro, le micro que j'utilise est assez lourd, le bras du pied avait tendance à s'affaisser sous le poids du micro, sous la contrainte du micro, et donc j'ai serré comme un malade, et au final ça a pété un morceau de plastique. Du coup le bras ne tient plus du tout en place. C'est un petit peu la merde, mais bon, je pense en racheter un très prochainement, mais c'est pas un problème de toute façon, puisque en fait le seul problème, enfin j'ai réussi à trouver une parade, hein, juste une petite cale en bois sous le l'antipop, une espèce de pièce de métal pour s'attacher au bras. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, faudrait voir le pied, vous voyez, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'ai foutu une cale en bois sous cette pièce de métal, disais-je, et résultat, c'est parfait, ça tient, c'est pile en face de ma bouche, donc ça me change pas vraiment, ce sera juste un peu casse-couille à installer tout le temps, mais c'est pas grave. De toute façon, j'en rachèterai une. Bon, cela étant dit, on se retrouve sur SimCity, à Electronic City, et la musique est super forte. Je vais peut-être baisser un tout petit peu la musique là, parce que... Voilà, c'était un petit peu fort là, c'est mieux. Et comme vous pouvez le remarquer, la ville a sûrement bien changé depuis l'épisode précédent. Regardez-moi déjà la terre toute dégueulasse, toute polluée, c'est pollué de partout. Mais je vous dois quelques explications. Alors déjà, vous voyez le compte en banque, 9 millions de simflouz. Bon, voilà quoi, nous sommes riches. Et pareil aussi, l'explosion de la densité dans la ville. Regardez-moi tous ces buildings, les buildings de l'amour. Les buildings, vous avez attrapé un rhume. Ah bah c'est génial. Donc on a du building, du gratte-ciel, que ce soit par exemple pour les zones résidentielles. Donc avec beaucoup de richesses ou des commerces. Les ordures commencent à sentir. Ah oui, j'ai des problèmes au niveau des ordures. J'ai bien sûr remplacé tous les châteaux d'eau par une station de pompage, parce que ça commençait à être un petit peu la merde avec tous les châteaux d'eau. Au bout d'un moment, j'avais plus de place, donc je me suis dit, allez, autant prendre de la grosse quantité, enfin voilà, prendre beaucoup moins de place, enfin un petit peu quand même, hein. Mais voilà, une station de pompage avec trois réservoirs et voilà, trois grosses pompes, ouais, ça suffit largement. Vous voyez, donc plein de buildings. Bon, va falloir que je fasse quelque chose au niveau des ordures, parce que là, ça va plus être possible. J'ai également amélioré la goutte, parce que je l'appelle la goutte, hein, vous voyez, toute cette zone avec la grande avenue, en avenue à haute densité avec une ligne de tramway. Donc vous voyez, j'ai fait tout un réseau de tramway. Pareil en partant vers la zone industrielle. J'ai rajouté une route ici, suspendue entre guillemets, pour fluidifier un peu plus le trafic. De même de ce côté-ci. Vous voyez, tac, j'avais oublié qu'on pouvait... Il y avait une petite pente ici que je n'avais pas exploitée. Du coup, j'ai construit une avenue, paf, et là aussi, ça fluidifie le trafic. J'ai foutu du tram, résultat, ça fait tout le tour. Plus les bus, bon, le trafic reste quand même chargé. Mais bon, voilà, avec tous les moyens que j'ai mis, normalement, c'est bon. Au niveau des processeurs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté deux nouvelles unités de production. Oui, j'ai vu grand, je sais. Pour améliorer, parce que j'arrivais pas à faire 1 500 000 de profit avec le siège électronique. Résultat, j'ai réussi, je suis passé niveau 2, enfin. Et je vous attends, enfin, j'ai attendu de tourner pour enfin construire la division électronique grand public, qui va nous permettre de construire une usine pour faire des téléviseurs et des ordinateurs. Et enfin livrer ces putains de caisses pour l'archéologie. Parce que oui, le but final, c'est bien sûr... Bah la construction, l'écologie. Donc on va le placer là, ça vaut 500 000 hein, mais bon c'est pas grave. Ah, une usine vient de péter à l'instant. Paf. On a 84 000 habitants aussi, ça j'avais oublié de le préciser, mais c'est beaucoup. Là on va perdre, ouais bon allez 1000 c'est pas grave. Hop, enfin, voilà c'est magnifique.
C'est magnifique les amis, c'est le début d'une... on est déjà riche, mais bon, voilà, c'est le début d'une plus grande richesse, voilà. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis trois unités de production de processeur. Le truc, c'est que celle-là, je l'ai mis juste pour la fin, pour essayer de passer niveau 2, donc je vais sûrement la virer pour placer l'autre usine dont je vais avoir besoin. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai construit un port commercial, j'ai viré le terminal de ferry qui ne servait à rien, parce que oui, on m'a dit dans les commentaires, c'est vrai, c'est logique, je n'y ai pas pensé. Fallait mettre un autre terminal de ferry dans une autre ville, ce qui est complètement logique, mais bon, j'y ai pas pensé. Mais sur le coup, je me suis dit, allez hop, j'en ai rien à foutre, j'ai déjà une gare, allez hop. Je vais foutre un port commercial ici, j'ai viré 2-3 habitations. Vous voyez, j'ai coupé, il y avait une route ici, je l'ai viré. J'ai foutu un port commercial et un quai de cargo, avec bien sûr des aires de stockage bien plus importantes pour stocker à mort, hein, et pour vendre les processeurs en évitant de se taper les embouteillages. Bon, maintenant, c'est plus trop le problème. Mais c'est pas... Enfin voilà, je l'ai quand même mis. Donc j'ai fait de gros investissements. Vous voyez, je perds moins 18 000. J'ai également construit un nouveau grand hôpital. Comme ça, bon, parce que ouais, je fais face à de nombreuses épidémies là. C'est un petit peu chiant, je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce que à cause de la pollution. Bref, résultat, j'ai viré aussi le charbon pour foutre le terminal de... Parce que bon, le charbon, voilà, hein, autant en importer, ça coûte que dalle. Vu ce que je gagne maintenant, j'ai foutu le terminal de ferry à la place. Résultat, ici, dans l'entrepôt commercial, ce que je fais, c'est que j'importe de l'alliage, j'importe du pétrole, parce que là, bon, le pétrole, ça suffit plus, je produis que 1800 barils par jour. Que 1800, c'est déjà énorme. Mais vous voyez, pour 3 unités de production de processeurs, voilà, c'est pas assez, il faut plus. Donc j'importe. Le plastique, pareil, j'importe, même si j'en produis. Donc voilà, j'importe les 3 ressources qu'il me faut pour produire des processeurs. J'importe également du charbon pour faire fonctionner la centrale à charbon qui fournit l'électricité. Et après, ben voilà, j'exporte les processeurs. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va enfin pouvoir, ça va me coûter la peau du zboub, hein. Construire l'usine d'électronique grand public. Voilà. Du coup, on va se séparer de cette usine de processeurs là, puisque je n'en ai plus besoin, vu que je suis passé niveau 2. Allez, au revoir, ça m'aura coûté cher, j'en ai plus besoin. Hop. Donc, usine de grand public, paf. Est-ce que j'aurai la place? Ah, je peux pas, merde. Ah, j'espère que je vais avoir la place là. Ça coûte 360 000, je voudrais pas faire le con. On va la poser de toute façon. Putain, c'est vraiment énorme, hein. Alors, fermé pour processus d'embauche, ça aussi ça va être contraignant. Ça, on va le mettre là. Alors, donc les camions de transport, chaîne de montage de téléviseur, chaîne de montage d'ordinateur. Bon, nous on va se concentrer sur les téléviseurs dans un premier temps. Ok, c'est bon, au final j'ai largement la place. Voilà, et quand on aura fini l'arcologie, je virerai 2 unités de production de téléviseurs, paf, pour foutre des ordinateurs, parce que les ordinateurs, à mon avis, ça doit rapporter gros. Les camions, tac, on va en rajouter, ça coûte cher, 10 000, je sais. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour produire des téléviseurs, chers amis? Fermé pour processus d'embauche, ouais, j'espère que ça va marcher. Alors, il nous faut bien sûr des processeurs, de l'alliage que j'importe, et du plastique que j'importe également, et que je produis. Eh ben c'est parfait, il manque plus qu'à attendre que ça embauche. Je perds moins 20 000 de l'heure, mais vous allez voir que je vais vendre. Putain, je suis désolé si ça... Moi ça me fait sursauter à chaque fois qu'une entreprise... J'ai toujours une usine de produits chimiques qui pète. Je sais pas pourquoi, résultat ça a complètement pollué le sol. Alors, qu'est-ce que je voulais faire du coup? J'ai perdu ce que je voulais faire. Merde. Ah oui, oui voilà, je voulais mettre une... Une aire de stockage pour les téléviseurs. Téléviseurs, faut pas que je me gourre. Sauf que j'ai pas vraiment la place. Je vais devoir virer un immeuble, mais j'ai pas trop envie en fait. Eh oh, qu'est-ce que tu me fais là? Ça, faudrait que je le vire en fait. Attendez, on va virer ça. Parce que ça, en fait, c'est un morceau de route qui ne sert à rien. Je vais perdre quelques habitants, hein, mais c'est pas folichon. Mais pour l'instant, je veux dire, les téléviseurs, c'est plus important. Voilà, super. Ok, bah j'ai des téléviseurs. Du coup, ce que je vais faire, c'est que... les téléviseurs... Oh la vache! Les ordinateurs, ça doit être encore mieux, j'imagine. Parce que là, les téléviseurs, 158 000, vous vous rendez compte? Mais alors, les ordi, ça doit être 200 000, voire 300 000. Oh, bon, vu combien ça me coûte en même temps...
Voilà, donc on va produire un petit peu. Alors, aujourd'hui... Waouh, la classe! Putain, regardez-moi ce bâtiment tellement design. Tellement design, le bâtiment. Au final, je sais pas si on va commencer à faire la ville touristique maintenant. Parce que, du coup, j'ai envie de jouer un peu cette... Continuer un peu cette ville. On risque de switcher avec Chinese Factory, Petrotown et tout ça. Mais au prochain épisode, on va commencer la prochaine ville touristique. Alors, comme on m'a dit dans les commentaires, c'est un défi que je vais relever avec des routes surélevées et des tunnels. Voilà. Uniquement, bon, peut-être pas non plus à 100%, parce qu'il faut bien sûr qu'il y ait des villes quand même. Voilà, normal. Mais bon, on va essayer de faire des ponts, voilà, des routes qui se chevauchent. Putain, j'ai du mal avec ce mot. Chevauche. Voilà, enfin, vous m'avez compris, vous pigez le truc. Mensuel commerce. Ah oui, j'ai construit un siège commerce avec le siège électronique. Bien sûr, donc mon but c'est de faire 2 millions de profits quotidiens grâce au commerce. On va essayer ça. Bon, voyez, j'ai les ressources qu'il faut. Et vous voyez, ils sont malades hein, ici. C'est à cause de la pollution, pourtant, avec le grand hôpital que j'ai foutu. Je sais pas. Bon, on va voir si ça fonctionne donc. Faut pas oublier que j'amène du. Bon, le métal, ça, on s'en fout. Je vais le fermer puisque j'en importe pas. Je balance les téléviseurs. L'alliage, c'est Chinese Factory qui va s'en occuper puisqu'elle a un centre de recyclage. Et le métal, c'est Chinese Factory aussi, hein, de toute façon, je pense. Ouais. Alors, le truc, est-ce que c'est utilisation locale, je suppose. Attendez, on va passer le temps vite. On va voir si c'est ça. Va falloir produire les premiers téléviseurs de toute façon. Attendez. On va voir, c'est où? Ici. Oui, je produis des téléviseurs. Normalement, tac. Bon, j'ai pas encore de caisse. Normalement, je ne vends pas les téléviseurs. Hein. Non, utilisation locale. Donc, ce qui veut. Enfin, ce qui signifie tout simplement que. Normalement, les téléviseurs, une fois arrivés dans le centre de stockage, sont directement dispatchés vers l'arcologie. La pompe est polluée. Ah, il faudrait que je mette une... L'eau est polluée, la pompe à filtre, parce qu'il y en a plein qui sont malades. Donc, je vais mettre ça. Je peux pas le caler ici, là, non. Chevauchement. Ah, il faudrait que je vire un immeuble, là. Bon, allez, hop, c'est pour la bonne cause. Paf, moins 4000 habitants. Mais vous inquiétez pas, ça va remonter. Mais du coup, l'eau, voilà, le niveau de pollution de l'eau est propre désormais. Voilà, en plus ça m'augmente ma capacité. Bon, du coup ça me fait payer encore plus. Tiens, au niveau des... Ouais, c'est chaud. Au niveau des dépenses, là, beaucoup d'alliages, je vends des processeurs, mais bon, c'est limite, hein. Bah ça va être comme ça pendant un temps, hein. De toute façon, les processeurs, ça va combler mes dépenses. Ça va combler mes dépenses, mais ouais, l'eau... Faible. Ouais, j'aimerais bien que ça baisse. Hein. L'eau, elle est propre, là, normalement. Ouais, normalement, l'eau est propre. Parfaitement propre. Hein. Eau traitée, 26%. Bon, ouais, je vais récupérer des habitants. J'en ai perdu un peu. J'en avais 84 000, mais ça, c'est pas un souci. Paf, paf, paf. Donc, ça, c'est fait. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Problème d'eau. Comment ça, problème d'eau? Apparemment l'eau... Non c'est bon, non c'est bon elle est traitée maintenant. Non c'est bon, maintenant que j'ai lancé la station d'épuration, pardon. Normalement c'est bien. Ah oui, ça use pas mal de processeurs du coup, heureusement que j'ai deux... Ouais pour... Ouais j'ai quand même de quoi vendre des processeurs. Je peux quand même en vendre, qu'est-ce que tu me veux toi? Ok. On devrait utiliser le train pour expédier les marchandises. Ouais, d'accord, on verra ça. On verra ça plus tard, parce que là, j'ai pas vraiment la place, vois-tu. Ici, putain, j'ai plein d'entreprises qui sont foutues. Bâtiments en feu, ouais, c'est toujours à cause du feu. Alors, on va faire un petit tour. Tac, tac, tac. Ouais, je suis déjà à 3000 caisses. Bon, ça va aller vite. Du coup, je pense qu'on va pouvoir se faire les 60 000 caisses dès cet épisode. Et après, direct tout exporter pour se faire la max. Enfin, un max de blé. Pour ensuite aussi produire des ordinateurs qui, eux, seront encore mieux vendus, je suppose. Hein. Parce que bon. Hein, normalement, un ordinateur. Ça, je vais bientôt m'en séparer. Hein, parce que vous voyez, la productivité est en baisse constante. Bah oui, regardez. C'est logique, vu que là, ça pompe, de ce côté, il y aura bientôt plus, c'est en plein milieu de la route, ici, je pourrais pas, hein. Mais tant pis, je laisserai, hein. C'est pas grave, hein. C'est pareil, il reste 5 mois d'extraction, apparemment, bon. Alors, tu vas me vendre tes processeurs, là, ou quoi? Le cargo, il en peut plus, là. Ah, non, normalement, c'est bon, hein. Je vais avoir du proco, là.
Et l'alliage, c'est cher. Mais ce bâtiment est vraiment magnifique, hein. Les affaires ne sont pas mauvaises, ouais, bah, j'espère. Surveillez vos budgets, votre budget, vous êtes dans le rouge, option désactiver des services. Ouais, mais non. Non, 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 t'inquiète. Ah, bah tiens, j'y pense, faut que je m'achète le DLC aussi. Putain, faut pas que j'oublie ça. Attends, on va augmenter un peu les impôts pour les riches. Voilà, paf. Même si on n'a pas fait grand-chose. Paf, tac. Boum. 100 000. Ici, j'ai encore. Ouais, faut que ça parte, faut que ça parte. Il y a 15 milliards de camions. Et voyez quand même que j'ai réussi à réguler le trafic. Hein. Je suis fier de moi avec ce tram. Tous les bus, voilà. Maintenant, il n'y avait plus de problème. Faut savoir que là, j'y ai joué beaucoup, beaucoup ce matin. J'ai dû y jouer 2-3 heures là. Enfin, je l'ai pas mal laissé tourner d'ailleurs. Mais l'eau est polluée, tu te fous de moi ou quoi? Mais la pollution augmente alors que j'ai une station de pompage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin, une station d'épuration. Eh, faut arrêter un peu. Ou alors je construirai une station de pompage ici avec... ouais. Je vais voir, parce que là ils sont malades. Hein. Attendez, on va faire ça. On va voir, il n'y a pas un endroit là. Je peux pas caler ça. Ah, il faut dépolluer, hein. Il faut dépolluer. Ça va me coûter bonbon, je sais. Mais c'est pas grave. Il faut, il faut, il faut. Voilà, comme ça, de toute façon, je pourrais fournir de l'eau. Donc voilà. Allez, hop. Là, j'ai largement de quoi fournir de l'eau à beaucoup, beaucoup de monde. Du coup, j'ai moins d'entreprises, mais ça fait plus d'emplois. Processus d'embauche, ouais, y a des problèmes d'eau. Hein. Et regardez, je vais réussir à baisser le... Ouais, il faut parce que si vous avez des travailleurs malades, c'est tout simple, votre productivité, bah, elle chute. Des problèmes d'eau, attends, t'es sérieux? Niveau de pollution de l'eau sale, bah, je suis d'accord, mais bon... Putain, c'est tout? Ah merde! Ah oui, je peux pas, effectivement, là, je peux mettre 15 centres... Ouah! En train d'acheminer vers la ville. Niveau de pollution de l'eau. Oui, mais... Traite-la l'eau! Ah oui, con, niveau de pollution, elle est sale, ouais. Eau traitée, 51%. Attendez. Non, attendez, attendez. Parce que du coup, en fait, c'est peut-être pas... L'eau est vitale, mais lorsque le sol est pollué, elle peut rendre malade. Filtrez la plupart des germes et purifiez en grande partie l'eau qui part dans votre ville. Pompe à filtre. Ouais, bah, j'espère que ça marche, hein. Sauf que là, évidemment, l'eau, elle est sale, du coup. J'aurais peut-être pas dû faire ça, en fait. Non, là, l'eau, elle est propre. J'ai un peu merdé, hein. Ah, ça, c'est compliqué, je dois dire. C'est vrai qu'au niveau de l'eau, là, j'avais jamais eu ce problème au niveau... Enfin... Ah, tiens! Ça, je vire. Petit château d'eau que j'avais oublié de virer. Ça me fait... ça me fait de... Voilà, c'est en... déjà ça, c'est en moins. Alors, ouais, non, là, j'ai baissé au niveau du profit, forcément, vu que j'exporte pas. Non, non, en fait, ce qu'il faudrait... ça. Attendez, je vais tester, hein. Je fais mes petits essais. Je suis concentré, messieurs, dames. Non, ça ne marche pas. Attendez, on va virer ça. Ah bah oui, l'eau elle est propre là. Ah bah oui, je suis con. Ah oui, c'est pour ça, parce que moi j'avais mis ça une pompe à eau. Bah oui. Eh, tu m'étonnes qu'elle soit sale l'eau. Voilà. J'ai même pas besoin de mettre celle-là. Je peux la virer. D'accord, oui. Ah oui, en fait, faut mettre une station de d'épuration au lieu de mettre des trucs comme ça. Ouais. Et ouais, et ouais, et ouais. Bon, là, du coup, c'est pas... Je me suis fait chier pour rien. Mais c'est pas grave. Voilà, j'ai enfin compris le système. Putain, mais je suis vraiment nul, hein. Je suis un peu con, moi.
Je vends quand même des processeurs en 100 000, mais vraiment les importations, ça pompe sur le budget. Hein. Allez, faut vendre plus de processeurs, la PAM. Au niveau des caisses de téléviseurs, on en est à où? Déjà 9000 caisses, vous vous rendez compte? Sur 60 000, on a fait un sixième là. C'est cool ça. Ça fait plaisir. On va passer le temps vite. Je suppose que c'est ça. Hein. Franchement. C'est génial. Ouais, par contre le plastique, ouais, les importations là, faudrait, ouais. Je pars pas mal d'argent. Hein. Ah, il faut que ça vende là. Voilà. Processeur. De toute façon, une fois que j'aurai... Ah merde, bah, impôts trop... Ah bah voilà, les impôts trop... Bah du coup, on va les baisser parce que ça sert à rien en fait. Hein. Ça me fait pas gagner beaucoup d'argent. Donc on va baisser les impôts, voyez-vous. Ah oui, toujours les impôts. Toujours, toujours, toujours. Ici, bah, là, ça produit la masse, hein, masse de plastique. Paf, paf, paf. En fait, c'est overpété quand même. Ça, maintenant, du coup, là, elle est hyper propre. Et du coup, personne n'est malade. Si. Attends. On va jeter un coup d'œil à la carte des maladies. Maladies germes, celle-là, non. Carte des germes, ouais. Pollution de l'air. Ouais, c'est parce qu'il y a pas mal de pollution de l'air. Beaucoup de pollution du sol. Par contre, pollution de l'eau, normalement, c'est nickel. Eau usée aussi, j'ai réglé le problème. Alors, pour régler la pollution du sol, comment on fait? Est-ce qu'on rajoute des arbres? Oui, c'est ça, et la pollution de l'air. Oui, oui, c'était ça. Alors merde, c'était où les arbres déjà? Dans naturel, oui, c'est ça. On va rajouter des arbres. Tac. Pour baisser la pollution. C'est vital, les amis. C'est vital, il nous faut de l'arbre. Il nous faut de l'oxygène. Il nous faut de l'oxygène, là. Il faut de l'oxygène, là, je sais plus parler, là. Il nous faut de l'oxygène. Il nous faut de l'oxygène, bien sûr. Putain, j'ai du mal, hein. On va en foutre partout, parce que là, vous voyez, c'est pollué, pollué. Bah oui, à force de faire tourner l'industrie et tout, bah... Ça pollue. Normalement, on devrait assister à une baisse de la pollution drastique. Une baisse drastique de la pollution, c'est mieux. T'as vu, parce que là, regardez-moi ça, c'est noir, hein. Pas, c'est pas beau. Pas beau, pas beau, pas beau. Normalement, ça devrait le faire. J'espère, hein. Mec, on sait rien du tout. Logiquement, bon. Ah, voilà, il y a une nouvelle tour. Bon, 100 tonnes de charbon, là, c'est... Bon, j'arrive à me stabiliser niveau budget. J'arrive à vendre des processeurs, quand même. Hein. C'est pas mal, ça. Hein. J'arrive à me stabiliser à 7 millions de Simflouz. Là ça produit. Ouais, ça produit nickel hein. Ça produit énormément hein. Bon là la pollution va baisser normalement. Ah ça produit bien. Non franchement là j'ai atteint un très très bon équilibre. On va jeter toujours un coup d'œil à 11 000. Bah j'ai plus qu'à laisser tourner hein. Au niveau des téléviseurs. Ouais. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, il faudrait que je finisse le projet de développement. On va faire un tour à... à Power City. Bien sûr qu'il y a l'université pour terminer les projets de développement. Parce qu'il faudrait que je les termine. Pour avoir les bonus, quoi. Au niveau des extensions, par exemple, pour les bâtiments qui produisent de l'énergie. Pour produire de l'énergie propre. Comme, par exemple, cette centrale à charbon qui pourrait bénéficier d'un générateur à charbon propre. Voilà, parce que là ça doit polluer, du coup je pourrais les remplacer. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je suis content d'avoir. Ouais, bon, il y a quand même du trafic. Hein. Il y a des heures de pointe, mais. Ouais, il y a pas mal de trafic quand même. Mais le tram c'est pas mal, attendez. 9 minutes d'attente, 2300 passagers par jour. Voyons voir, 23 minutes en tout. Ah, avant j'étais à 9000 passagers par jour quand même. Hein, Au niveau des bus, 45 minutes. Ouais, 45. Ouais, ils prennent tous le bus en fait. Et oui, dans les commentaires, on m'a dit fallait mettre les navettes, mais non. Enfin, oui, mais non. Enfin, on m'avait dit, je crois qu'il y a quelqu'un qui a compris que cela n'allait que dans les villes voisines. Non, cela, enfin, desservent la ville et les villes voisines. Regardez, je vais vous le prouver. C'est où, c'est où, c'est où, c'est où? Bus. Une gare destinée aux gros bus municipaux ou régionaux. Les Sims peu et moyennement fortunés s'y rendent en voiture pour prendre le bus. Les bus municipaux peuvent prendre et déposer des Sims dans la ville. Ouais, dans la ville. Ainsi que dans les villes voisines, voilà. Donc là, vous l'avez vu, c'est écrit noir sur gris. Blanc sur gris, pardon.
Là, je ne vous mens pas. Bon, ici, ça, c'est normal que le profit baisse. Vous allez voir qu'on va réaliser un espèce de chiffre d'affaires de taré. En fait, voilà, ça nous pousse. Le jeu, finalement, pour augmenter, par exemple, le niveau du siège commerce, nous pousse à monter en gamme, appliquer la stratégie de envol de l'oie sauvage, comme le Japon et la Chine l'ont fait il y a 30 ans, même, enfin, non, peut-être pas non plus, mais 20, enfin, si, pour le Japon, si, ils ont commencé avant la Deuxième Guerre mondiale, donc, pour vous dire. Voilà, au bout d'un moment, vous devez faire un gros profit quotidien, sauf que vous ne pouvez pas, puisque... ce que vous vendez ne vous rapporte pas assez. Même si vous augmentez la production, enfin c'est pas possible. Bref, vous me comprenez, hein. J'arrive pas à parler. Non, en fait là, il faut bien sûr monter en gamme, prendre des produits plus technologiques, des produits manufacturés, vous voyez, avec plus de valeur ajoutée. Et qui, voilà. Et avec ça, vous pouvez facilement. Facilement vous faire beaucoup d'argent, c'est le cas avec les ordinateurs notamment et les téléviseurs. Enfin, les ordinateurs, je dis, oui, les ordinateurs, les téléviseurs, oui, c'est ça. Du coup, vous allez voir que quand on aura fini de livrer, excusez-moi, là, je bouge pas, mais je me gratte le pied parce que ça me gratte encore. Ça me gratte toujours le pied. Aïe. Ça me gratte beaucoup le pied. Je sais plus ce que je disais, du coup, oui, une fois qu'on aura fini... Voilà, c'est bon, j'ai fini de me gratter. Pouh, désolé. Tac. Ouais, ici ça arrive, je sais plus ce que je disais du coup. Bon, les arbres, ça a pas l'air de faire vraiment effet, hein. Attendez, est-ce que si je mets... Est-ce que si je vais voir dans naturel, est-ce que... Planter une petite forêt parmi les gratte-ciel pour que les nains aient un endroit où se cacher. C'était drôle. Non, mais normalement, ça baisse pas la pollution, ça. Dans votre vie avec des arbres. Chaque arbre dépose une petite quantité. Ah ouais, en fait, c'est des arbres au bord des routes. Regardez, on va foutre ça là. Là, vous allez voir que ça va absorber là. Ouais, là, il faut absorber la pollution parce que bon. D'accord, en fait c'est les arbres posés au bord des routes qui diminuent la pollution ou non? À mon avis c'est tous les arbres, ouais, parce que ça me paraîtrait un peu stupide. Allez, on fout tout ça. Tac. On dit non à la pollution. J'essaie d'en mettre un maximum. Ouais, les pauvres ils vont crever comme... comme c'est pas permis. Non, ici c'est bon. Hop, ici j'en mets. Ouais, au niveau de les zones industrielles c'est souvent... C'est irrespirable, hein. Je sais pas comment ils font les gens, mais bon. Voilà. Bon, c'est peut-être pas nécessaire de mettre ça en plein centre-ville à la limite, parce que bon, ça va. Hein. Oh, il faut pas exagérer. Alors en plus, elle a le méga siège, le siège électronique, le siège commerce électronique, division électronique, qui a juste la masterclass. Sérieux. Faut le dire, hop, je suis désolé. Bon, là c'est pas super intéressant, mais il faut, attendez, il faut être écolo un moment, même si moi je suis un gros pollueur. Tac, et là normalement on devrait réduire le taux de pollution. Normalement, là ça devrait le faire. Voilà. Bah, j'ai mis tout le temps le même style d'arbre, mais vous voyez, ça fout que des petits buissons pourris là. Oh les gars, vous auriez pu mettre des vrais arbres, non? Je les vois même pas. Si, c'est que... Oh, en fait, c'est des buissons tout pourris. Bon, ça c'est censé drainer la pollution. Ah, j'ai l'impression que ça marche. Ouais, j'ai l'impression que ça marche. De toute façon, on va voir. Là, on prend le repère, le cactus... Pour voir si la zone noire recule. J'ai l'impression que ouais, ça marche. Hein. Enfin, oula, excusez-moi pour ce point de vue, j'ai fait n'importe quoi. Bon, ouais, on arrive à se stabiliser. Je vends des processeurs, ça me fait de l'argent. Je dépense. What? Déjà 30 minutes? Putain! Ça passe vite. Ouais, si, j'ai l'impression que ça marche. Ouais, ça marche. On va voir, attention. Ouais, ça n'a pas vraiment changé ici.
Putain, c'est déjà 30 minutes. Bon, on va se quitter là avec 17 000 caisses de téléviseurs déjà envoyées. Écoutez, je vais attendre que ça atteigne 60 000 caisses. Je vais laisser tourner le jeu. Et puis on verra ce que ça donne au prochain épisode. Voilà, donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié celui-ci. N'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous et portez-vous bien.